chapitre 7, Jeremiah 7, versets 1 à 11. Verse 1 to 11. Jeremiah 7, 7, 1 à 11. 1 to 11. Jérémie chapitre 7, du verset 1 au verset 11. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là publie cette parole et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, et si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Amen. Jeremiah chapter 7, from verse 1 to 11. This is the word that came from Jeremiah from the Lord. Stand at the gates of the Lord's house, and there proclaim this message. Hear the word of the Lord, all you people of Judah, who come through this gate to worship the Lord. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. Reform your ways and your actions, and I will let you live in this place. Do not trust in deceptive words and say, this is the temple of Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. If you really change your ways and your actions and deal with each other justly, if you do not oppress the alien, the fatherless or the widow, and do not shed innocent blood in this place, and if you do not follow other gods to your own arm, then I will let you live in this place, in the land I gave your forefathers forever and ever. But look, you are trusting in deceptive words that are worthless. Will you steal and murder, commit adultery and perjury, burn incense to Baal, and follow other gods you have not known? And then come and stand before me in this house, which bears my name, and say, we are safe, safe to do all these detestable things. Has this house which bears my name become a den of robbers to you? But
I have been watching, declares the Lord. Amen. Qu'est-ce que cette parole dit? What is this word saying? Cette parole combat ce qu'on appelle les fausses espérances. This word is fighting against what is called false hope. Des gens qui pensent people who think à la fin du monde that in the end of times ils iront au ciel. They will go to heaven. Alors qu'ils sont en train de se tromper. Meanwhile, they are deceiving themselves. Les gens qui pensent people who think qu'ils sont des croyants that they are believers alors qu'ils n'ont aucun caractère de Christ. Meanwhile, they have no character of Christ. Ils ne connaissent pas Dieu. They don't know God. Ils sont convaincus qu'ils connaissent Dieu. But they are convinced that they know God. Quand on prêche when we preach et on lance l'appel and we launch the call ils se disent qu'ils ne sont pas concernés. They say they are not concerned. Ils attendent la prière. And they are waiting for the prayers. Et les miracles. And miracles. Ils sont convaincus. They are convinced. Qu'ils sont baptisés. That they are baptized. Ils sont convaincus. They are convinced. Qu'ils sont confirmés. That they are confirmed. Ils sont convaincus. They are convinced. Qu'ils sont des croyants modèles. That they are model Christians. Lisons ce passage ensemble. Commence au verset 1. Let's read it together. Start from verse 1. La parole qui fut adressée. La parole fut adressée. Dieu a parlé au prophète Jérémie. The word of the Lord came upon me. God spoke to prophet Jeremiah. À Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Dieu lui a dit. God told him. Je vais te donner un travail. I'm going to give you a work. Tu vas parler aux enfants d'Israël. You're going to speak to the children of Israel. Aux enfants de Judas. To the children of Judah. Pour leur parler. In order to speak to them. Va te tenir à la porte du temple. Go and stand at the gate of the temple. Tu les attends là. And you wait for them there. Vas-y. Et là, publie cette parole et dis. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ses portes. Dieu dit à Jérémie, va leur dire. God tells Jeremiah, quand go ils vont venir them, pour entrer dans le temple, tu vas leur parler. When they are coming to get into the temple, you will speak to them. Et qu'est-ce qu'il doit leur dire? And what must you tell them? Écoute. Listen. Pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Vous qui entrez pour aller prier. You who go into the temple to go and pray. Le prophète Jérémie l'a dit. Prophet Jeremiah says. Vous. You. Qui venez prier. Who comes to pray. Écoutez ce que Dieu vous dit. Listen to what God is telling you. Et ils venaient. And they were coming. And they were entering the temple. Ils entraient dans le temple. They were coming and entering. Ils ne faisaient que crier, écoutez. And vous he was qui entrez dans le temple listen, pour aller prier. You écoutez. Enter the temple. Listen. Vas-y. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Dieu vous dit. God is telling you. Il dit, écoutez, Dieu vous dit. Listen, God is telling you. Qu'est-ce que Dieu leur dit? What is God saying? Réformez vos voies et changez vos œuvres. Changez vos voies. Change your ways. Vous êtes mauvais. You are wicked. Vos voies ne sont pas droites. Your ways are not straight. Réformez-les. Change them. Changez vos voies. Changez vos voies. Change your ways. Abandonnez les voies du mal. Forsake the evil ways. Et c'est le message qui doit leur dire. Continue. Move on. Et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Je dis si vous changez de comportement. If you change your ways. Vous allez rester. You will remain. Vous serez avec moi, je serai avec vous. You will be with me, I will be with you. Continue. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant c'est ici le temple de l'Éternel. Il dit attention. Say be careful. Vous êtes en train de vous tromper. You are deceiving yourselves. Vous vivez dans le péché. You are living in sin. Et vous dites ça c'est le temple de la maison de Dieu. And you say this is the temple, the house of God. Nous sommes dans la maison de Dieu. We are in the house of God. Nous sommes les vrais enfants d'Israël. We are true children of Israel. Nous prions dans le temple que le roi avait bâti.
We pray in the temple that the king has built. Nous sommes très forts. We are very strong. C'est nous les vrais. We are the true. Dans le péché. In sin. C'est vous les vrais. You are the true. Il dit, ce sont des espérances trompeuses. Ça vous trompe. These are deceiving hope. Votre foi n'est pas la vraie foi. You deceive yourself. Your faith is not a genuine faith. Votre foi n'est pas la foi qui sauve. Your faith is not the faith which saves. Quand tu es dans l'ignorance, when you are in ignorance, la foi ne peut pas te sauver. Faith cannot save you. Si un faux prophète te trompe, if a false prophet deceives you, comme quelqu'un me disait, ils allaient avec le prophète, ils enterraient les choses. Il y en a qui prennent le sable dans la mer. Il y en a qui font manger le sel, le citron, le miel, tout ça. Like someone was telling me that they will go to the prophet and bury things, salt, sand, honey, all this in the name of the Lord. Ça, ce sont les espérances trompeuses. These are deceiving hope. Continue. Move on. Le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous reformez vos voies, si vous changez de conduite, if you change your behavior, et vos œuvres. Si vous changez de conduite, if you change your ways, si vous changez votre manière d'agir, if you change your way of behaving, si vous abandonnez le péché en parole, en parole, en pensée et en action, in word, in thought and in deed, continue. Si vous pratiquez la justice envers les uns, si vous commencez par pratiquer la justice les uns envers les autres, if you practice justice one towards another. Si certains d'entre vous ne volent pas les choses des autres, if some of you don't steal the things of others, s'il n'y a pas parmi vous des gens qui arrachent les femmes de leurs frères, if there's no one among you who sees, who snatches the wife of their brother, si vous ne pratiquez pas l'adultère, if you don't practice adultery, si vous ne pratiquez pas le vol, if you don't practice theft, si vous n'êtes pas des ivrognes, if you're not drunkards, si vous n'êtes pas attaché à la bière ou kutuku, if you're not attached to beer and kutuku, continue. Move on. Si vous n'opprimez pas l'étranger, si vous ne maltraitez pas les étrangers, if you don't ill treat strangers, si tu fais du bien, if you do good aux étrangers, to strangers que tu rencontres, that you meet, ou qui sont tes voisins, or be it your neighbors. Continue. L'orphelin et la veuve. Si vous ne faites pas du, si vous faites du bien à l'orphelin, à la veuve. If you do good to the orphan and the widow. Si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent. Si vous n'arrêtez pas le meurtre, les meurtres, les assassinats. If you don't stop murder, bewitchment, witchcraft, la magie, magic, la violence, violence, dans les paroles, in words, dans les regards, in looks, et dans les gestes, and in your deeds. Et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, si vous abandonnez les idoles. If you forsake idols, si vous renversez les idoles, if you overthrow idols, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Alléluia. Si vous faites du bien, vous renversez les idoles, vous vous attachez à moi, vous vous abandonnez l'ivrognerie, les adultères, les mensonges et la violence. Si vous abandonnez toutes ces choses, je vais vous laisser vivre dans ce pays. If you forsake sin, alcohol, adultery, and if you forsake all those things, I will allow you to dwell in this land. Qu'est-ce que Dieu veut dire? What is God saying? Il dit, ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui compte, c'est le fait d'abandonner le péché qui compte. Going to church doesn't matter, but it's forsaking sin which is important. Ne dis pas notre église est jolie, les bâtiments sont jolis, il y a le tapis, il y a la climatisation. Don't say our church is beautiful, our building is beautiful, we have AC. Nous avons la chorale, la musique. We have the choir, we have music. Ce n'est pas ça qui compte. Est-ce que vous avez laissé le mensonge? It doesn't matter. Have you forsaken lies? Est-ce que vous avez arrêté le vol? Have you stopped stealing? Y a-t-il pas de femmes qui commettent des avortements?
Don't we have women who commit abortion? Vous êtes là. Nous avons un beau temple. Notre temple est joli. Notre pasteur. Est-ce que vous avez abandonné le péché? You say we have a beautiful temple. We have a good pastor. Have you forsaken your sins? Les espérances trompeuses. Deceiving hope. Si tu vis dans le péché. If you're living in sin. Et tu es tranquille. And you're sitting quietly. Comme s'il n'y avait rien. As if there is nothing going on. Tu te trompes. You're deceiving yourself. Tu te trompes. You are deceiving yourself. Tu te trompes. You are deceiving yourself. Quand on te parle. When they talk to you. On te dit change de vie. They say change your way of life. Tu dis je suis musulman. You say I'm a Muslim. Vous voyez? You see? On te change. They say change. 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 Dieu n'aime pas ce que tu fais. God doesn't love what you're doing. Tu dis je suis catholique. You say I'm a Catholic. Vous voyez? You see? Je suis œuvre mission. I am from œuvre mission. Je suis baptiste, protestant. I am from Baptist. I'm a Protestant. Ce n'est pas ça qui compte. Ça, ce sont les espérances trompeuses. Est-ce que tu es en relation, en communion avec Dieu? It doesn't matter. This is deceiving hope. Do you have a relationship with God? Continue. Move on. Alors, je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober. Dieu dit quoi? God is saying what? Dieu dit, qu'est-ce que vous voulez dire? God said, what are you trying to say? Vous pensez à quoi? What are you thinking about? Quand Dieu dit quand vous venez prier là, vous vous attendez à quoi? God said, when you come to pray, what are you waiting? Et qu'est-ce qu'il leur reproche? And what is God rebuking them about? Dérober. Vous volez. You steal. Tuer. Vous tuez. You kill. Commettre des adultères. Vous commettez des adultères. You commit adultery. Jurez faussement. Vous jurez faussement. You swear falsely. Offrir de l'encens à Baal. Vous adorez Baal. You worship Baal. Un faux dieu. A false god. Vous brûlez les encens pour lui. You burn incenses to him. Allez après d'autres dieux que vous prosternez devant d'autres dieux. And you worship other gods. Pour certains, leur dieu, c'est la nourriture. For some, their god is food. Ils peuvent te tuer pour la nourriture. They can kill you for food. Pour d'autres, c'est les habits. For some, it is clothes. Ils peuvent te tuer parce que tu as touché à son habit. He can kill you because you've touched his clothes. Chacun son dieu, chacun son dieu. Each one has his god. Et chacun se prosterne devant son dieu. And each one bow down before his god. Et dit, vous faites tout ça, continue. He said, you do all this. Puis, vous venez vous présenter devant moi. Et vous venez avec tous ces péchés-là. Then you come with all these sins. Vous venez vous présenter devant moi. And you come and present yourself before me. Et qu'est-ce que vous dites? And what do you say? Et vous dites, nous sommes délivrés. Et vous dites, nous sommes délivrés. And alléluia. You say, we are delivered. Alléluia. Délivrés. Quand Dieu regarde, qui est délivré? Then when God looks, he says, who is delivered? Il voit les ivrognes remplis de coups de poing. Nous sommes délivrés. Il voit les adultères. Nous sommes délivrés. Délivrés. Il dit quoi? What? Il dit quoi? He says what? C'est vous. You. Délivrés. Delivered. Qu'est-ce qu'il dit? What is he saying? Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Dieu dit donc ma maison devient une maison de voleurs, des adultères. Frère, que personne ne te trompe, cher ami. God is saying that so my house has become a house of thieves and adultery people. Let no one deceive you, my friend. Je ne sais pas ce que tu cherches. I don't know what you're looking for. Je ne sais pas où tu pries. I don't know where you're praying. Je ne sais pas qui t'enseigne la parole. I don't know who is teaching you the word of God. Mais je sais. But I know que dans ce monde, that in this world, il y a des gens qui peuvent t'encourager. There are some people who can encourage you.
Peut-être que certains même te trompent qui sont des serviteurs de Dieu. Maybe some are deceiving you that they are servants of God. Une femme m'avait dit. A woman once told me. Elle est partie pour chercher la délivrance. That she went to seek for deliverance. Elle a partagé son problème au pasteur. She shared her problem with the pastor. Et le pasteur lui a dit, tu me donnes ma. Dès qu'elle a fini, le pasteur pose la main sur sa cuisse et dit, tu me donnes ma part quand. Once she finished explaining her problem, the pastor laid his hand on her lap. I was saying, when are you giving mine also? Elle a fui. She ran away. Peut-être qu'on t'a trompé que ce que tu fais là, c'est bon parce que Jésus a versé son sang. Maybe they deceive you that what you are doing is good because Jesus has shed his blood. Jésus n'a pas versé son sang. Jesus didn't shed his blood. Pour que tu tues les hommes. So that you will kill men. Impunément. Without. Sans punition. Without punishment. Jésus n'est pas mort à la croix. Jesus didn't die on the cross. Pour que tu deviennes l'adorateur de l'alcool. So that you become a worshiper of alcohol. Tu vas changer ce soir. You're going to change tonight. Tu dois changer ce soir. You must change tonight. Dieu leur dit, réformez vos voies. God said, change your ways. C'est le même message que l'on trouve dans le Nouveau Testament. It's the same message we find in the New Testament. Lis 1 Corinthiens 6, verset 9. 1 Corinthiens 6, verse 9. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Écoutez. Listen. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Don't you know that those who are unjust won't inherit the kingdom of God? Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Do not be deceived. Ne vous y trompez pas. Do not be deceived. Ni les impudiques. Nobody committing immorality. Ni les idolâtres. Idolaters. Ni les adultères. Nor adulterers. Ni les efféminés. Ni les infâmes. Nor those who behave like women. Ni les voleurs. Thieves. Ni les cupides. Greedy. Ni les ivrognes. Nor drunkards. Ni les outrageux. Ni les ravisseurs. N'hériteront le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Que personne ne te trompe au quartier. Don't deceive yourself. Que personne ne te trompe là. L'évangile de la grâce. Tu vas mourir, tu vas à l'enfer. Let no one deceive you that the gospel of grace, if you die, you will go to hell. Quelqu'un te trompe que tu vas vivre, mourir dans l'adultère. La grâce va te sauver. C'est un mensonge. Someone is telling you that you will live in adultery and grace will save you. It's a lie. Dieu a condamné ça depuis. God condemned this ever since. Il a dit à Israël, ce n'est pas possible, ce n'est même pas possible que vous tuez, vous commettez l'adultère, vous volez, et puis vous mentez, et puis vous venez pour m'adorer, nous sommes délivrés. Jésus-Christ, he told Israel, it's not possible. Nous a sanctifié par son sang. For you to sin and to come and worship me and say, I've sanctified you by the blood of Jesus. Voici l'évangile au temps. Il y a des gens qui disent, nous voulons écouter l'évangile des apôtres, le premier évangile. C'est ça qui est le premier évangile. This is the genuine gospel, the gospel of the apostles, the first gospel. Qui dit, ne vous y trompez pas. Who says, do not be deceived. Que personne ne te trompe au quartier. Écoute, que personne ne te trompe. Let no one deceive you in the neighborhood. Let no one deceive you. C'est écrit. It is written. Les adultères, les ravisseurs, les efféminés, those who commit adultery, les voleurs, behave les like women, les menteurs, n'hériteront pas le royaume de Dieu. They will not inherit the kingdom of God. Si tu meurs dans cet état, tu vas dans le lac de feu. If you die in that state, you will go into the lake of fire. Dis Ephésiens 5. Ephesians 5.
Verset 1 à 5. Verse 1 to 5. Éphésiens chapitre 5, du verset 1 au verset 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Lisez jusqu'au verset 6. Read to verse 6. Comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Tu comprends? La parole de Dieu te dit d'être des imitateurs de Dieu. Il faut vivre comme Dieu veut. The word of God says you should be imitators of God. You have to live the way God wants. Reprends. Take it all over. Devenez donc. Devenez donc. Be then. Les imitateurs de Dieu. Les imitateurs de Dieu. Imitators of God. Comme des enfants bien-aimés. Comme des enfants bien-aimés. C'est ça qu'on appelle l'évangile. As beloved children. This is what is called the gospel. Et marcher dans la charité. Et marcher dans la charité, dans l'amour. Walk in love. L'amour même de vos ennemis. Love even towards your enemies. À l'exemple de Christ. Faites comme Christ a fait. Soyez ses imitateurs. Do like Christ did. Be his imitator. Que Jésus soit votre modèle. Let Jesus be your model. La Bible dit qu'il a vécu sans péché. Quand on le giflait, il ne menaçait personne. The Bible says that he has lived without sin. And when he was insulted, he didn't threaten anyone. Oui. Qui nous a aimés. Il nous a aimés. Jésus est plein d'amour. He has loved us. Jesus is full of love. Et qui s'est livré lui-même à Dieu pour Jésus, nous. Jésus s'est donné à Dieu pour nous. And Jesus gave himself to God for Son us. Son amour pour nous l'amène à donner sa vie. His love for us led him to give his life. Notre amour pour lui doit nous amener à donner notre vie. Our love for him should lead us to give our life. Nous devons vivre pour lui. We must live for him. Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Continue. Que l'impudicité. Let immorality. Écoutez très bien. Listen carefully. Qu'aucune espèce d'impureté. Écoute très bien. And any kind of ungodliness. Même si tu es la seule personne que Dieu veut sauver ce soir, écoute bien. Even if you're the only person that God wants to save tonight, listen carefully. Et que la cupidité. And that greed. Ne soit pas même nommé parmi vous. Shouldn't even be mentioned among you. On ne parle même pas de commettre, nommé. They don't even talk about committing it. They say just naming. Continue. Ainsi qu'il convient à des saints. Vivez comme les saints doivent vivre. Live like the saints ought to live. Vivez comme des vrais enfants de Dieu. Live like true children of God. Continue. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes. We shouldn't hear dishonest words. Ni propos insensés. Or foolish talks. Ni plaisanteries. Or jokes. Choses qui sont contraires à la bienséance. Des choses que Dieu n'aime pas. Things that God don't love. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Let thanksgiving be heard. Car sachez-le bien, aucun impudique. Know it carefully, no one committing immorality. Ou impur. Aucun impur. Or an ungodly person. Ou cupide. Ou cupide. Or a greedy person. C'est-à-dire idolâtre. That is idolatra. N'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Il ne peut pas entrer au ciel. Il ne peut pas voir Dieu. He won't inherit the kingdom of God. He can't get into heaven. He cannot see God. Que personne ne vous séduise. Écoutez très bien. Listen carefully. Écoute très bien. Listen carefully. Redis. Que
Que personne ne vous séduise. Que personne ne te séduise. No one deceives you. Que personne ne te séduise. Let no one deceives you. Pas de vain discours. Pas de vain discours. With vain talks. Car c'est à cause de ces choses. Que personne ne te trompe. Que c'est l'évangile, c'est la grâce. C'est la grâce. Il dit, Dieu va condamner les pécheurs. Pourquoi? Parce qu'ils mentent. Si le pécheur ment, toi qui es en Jésus, tu mens. Où est la différence? Let no one deceive you that it is grace. Why is God going to condemn sinners? If sinners lie and you in Christ lie, what is the difference? Il dit, c'est à cause du mensonge que Dieu va brûler les autres. It's because of lies telling that God is going to burn the others. Donc, toi qui es sauvé, so you that is saved, sois imitateur de Jésus. N'écoute pas les faux docteurs. Be an imitator of Jesus. Don't listen to false prophets. Donne ta vie maintenant. Give your life now. Laisse la séduction. Laisse ça. Laisse cette histoire-là. Donne ta vie pour te sauver. Forsake seduction. Give your life in order to save yourself. Que personne ne te trompe pas de vain discours. Ce qu'on t'a dit là, c'est ce que la Bible appelle vain discours. Let no one deceive you with vain speeches. What the Bible says is what is called vain speeches. Tout enseignement qui ne te permet pas de te préparer pour entrer au ciel avec Jésus, c'est un vain discours. C'est un enseignement qui ne vaut rien. Any teaching that doesn't prepare you to get to heaven, it is a vain speech. It is a vain teaching. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? S'il y a quelqu'un parmi nous, if there is someone in our midst, qui sait qu'il vit encore dans le péché, who knows that he is still living in sin, qui n'en est pas honte, parce que nous-mêmes nous étions comme toi. He shouldn't be ashamed because we were like you. On avait des religions. We had religions. Jusqu'au jour où Dieu a envoyé ses vrais enfants. To the day Jesus sent his true children. Pour nous prêcher l'évangile qui est pur, sans mensonge. To preach to us the gospel that is pure, without lie. Ça nous a étonné d'abord. We were first of all amazed. On était surpris qu'il y ait certaines choses dans la Bible. We were surprised that there are certain things in the Bible. Qu'on ne connaissait pas. That we didn't know. Et nous nous sommes repentis. And we repented. Et nous persévérons. And we are persevering. Nous persévérons. We are persevering. Nous persévérons. We are persevering. Et c'est parce que nous persévérons. And it's because we are persevering. Que tu peux nous voir ce soir ici. That you can see us tonight here. Si tu veux te joindre à nous. If you want to join us. Pour adorer le vrai Jésus de Nazareth. In order to worship the true Jesus Christ of Nazareth. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Avec des cris de victoire. We shout our victory. Jésus-Christ. Si tu veux venir à Jésus, lève la main comme ça. If you want to come to Jesus, lift up your hand. S'il y a quelqu'un parmi vous qui veut venir à Jésus, lève la main que je vois. If there is someone venez, amongst venez. You want to come to Jesus, lift up your venez, hand. Venez, venez. Come. Que personne ne te séduise, viens. Let no one deceive you, come. Venez, venez, venez. Come, come. Quittez le mensonge et venez. Leave lies and come. Quitte les ténèbres, viens. Leave darkness and come. Abandonne les vains discours, viens. Forsake vain speech, come. Abandonne les espérances trompeuses, viens. Forsake deceiving viens. Hope, come. Viens. 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 Come. 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 Oui, acclamez très fort, très fort. Yes, clap very loudly. Viens, 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 viens. Come, come, come. Viens, viens, viens. Come, come.
Est-ce que c'est fini? Ce n'est pas fini. Acclamez toujours. Is it all? Keep clapping. Viens, 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 viens. Come. Oui, venez, venez, venez. Yes, come. Viens. Come. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Vous savez, certains sont bloqués par les démons. You know, some are blocked by the demons. Viens. Come. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Lève-toi et viens. Stand up and come. Qu'aucun démon ne t'empêche de venir à Christ. Let no demon hinders you from coming to Christ. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Si tu es un rétrograde, if you're a backslider, c'est-à-dire que tu étais avec Jésus, meaning you were with Jesus, et tu es tombé, then you fell. Tu es tombé. You fell. Tu es tombé. You fell. Reviens. Come back. Reviens rapidement, rapidement. Come back quickly. Tu étais en Christ. You were in Christ. Tu es tombé. You fell. Reviens, reviens, reviens. Come. Si tu es venu pour prier. If you came to pray. Si tu ne donnes pas la vie à Jésus. If you don't give your life to Christ. Tu as déjà gâté ta prière. You have already spoiled your prayer. Tu dois être en Christ. You must be in Christ. Et Dieu va te bénir. Then God will bless you. Lève-toi et viens. On va arrêter bientôt. Stand up and come. We are soon going to stop. Si tu es un enfant de Dieu, lève la main. If you're a child of God, lift up your hand. Nous libérons les captifs. Say, we set the captives free. Nous arrachons des mains de Satan. Say, we snatch from the hands of the devil. Toute personne qui veut rester dans le péché. Anyone who wants to remain in sin. Nous t'arrachons du péché. Say, we snatch you from sin. Maintenant, lève-toi et viens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient? Now stand up and come. Is someone coming? La prière qu'on vient d'élever a libéré. The prayer we just did has set someone free. Levez vos mains. Lift up your hand. Dites Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne ma vie. I give you my life, I give you my life. Je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne ma vie. I give you my life, I give you my life. Je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne ma vie. I give you my life. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je prie que tu me pardonnes. I pray that you forgive me. Pardon tous mes péchés. Forgive all my sins. En parole, en pensée et en action. In words, in thought and in deed. Oh Seigneur. Oh Lord. Bénis-moi. Bless me. Bénis-moi. Bless me. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on your head. Dis Seigneur, guéris-moi. Say Lord, heal me. Pose les mains sur la tête. Lay your hands dis, on Seigneur, your head. Dis Seigneur, guéris-moi. Say Lord, heal me. Je viens avec des maladies. I'm coming with sickness. Je prie que tu me guérisses. I pray that you heal me. Au nom de Jésus-Christ. In the name of je prie Jesus. Que tu me sépares. J'accepte qu'on me sépare de la malédiction. I accept to be separated from curses. J'accepte qu'on me sépare. I accept to be separated de la malédiction qui règne. From the curses that reign. Dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. In the family of my father and my mother. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Please be seated.